Nous voilà enfin dans l'Ouest canadien, en Alberta, pour une chasse unique à l'orignal dans un territoire immense dans le nord, au milieu de nulle part. Une chasse-aventure comme je les aime avec Long Range Outfitters. Alors, nous voici pour une chasse à l'orignal au nord de Fort McMurray en Alberta. Et c'est un peu spécial parce qu'on était invité par un outfitter pour explorer un nouveau territoire. Donc, on ne sait pas la densité d'orignaux, on ne sait pas ce qui se trouve. Donc, il va falloir explorer, expérimenter, trouver des stratégies. Et c'est particulier parce qu'on est déposé en hydravion et c'est un setup avec tente. Il y a un vieux camp de prospecteurs, on va voir les équipements qu'on peut utiliser. Et puis, c'est vraiment bouffe déshydratée. On est 7 à 8 jours donc en tente de toile, une petite tente de toile carrément. Donc, c'est une chasse que j'aime parce que c'est une chasse qui nous permet de sortir le meilleur de nous-mêmes. Et puis, on va utiliser des stratégies les maximums. On va commencer à savoir ce qu'ils sont. Donc, premièrement, où est-ce que se trouvent les orignaux aussi? C'est quoi leur fonctionnement? Et puis, ben, on va essayer d'atteindre nos résultats escomptés. Je suis avec Chuck Côté de la NFA. Chuck, s'il y a quelque chose qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est la question à savoir, c'est qui la NFA? D'abord, ça part de où ça? La NFA, c'est une organisation, Martin, qui a commencé dans l'Ouest dans les années 70, quand il y a eu les premières législations sur les armes à feu au Canada.
La NFA a toujours été là dans les grandes causes sur les armes à feu, que ça a été C-42, C-68, dernièrement C-71, le décret. La NFA a toujours été en cours contre le gouvernement, contre les mesures liberticides par rapport aux armes à feu. Donc, on représente les enthousiastes des armes à feu, que ce soit les chasseurs ou les tireurs sportifs. Mais qui est à la base? Qui a mis en place la NFA? La NFA, ce sont des enthousiastes, ce sont des amateurs de chasse et de tireurs sportifs, ce sont des bénévoles, ce sont des gens comme toi puis moi, des gens qui travaillent à longueur de journée. C'est des pères, des mères de famille, c'est des gens de tous les horizons du Canada. À la grandeur du Canada, toi, tu es directeur ici, provincialement, au Québec. C'est des directeurs, des co-directeurs et beaucoup de bénévoles. On agit beaucoup en action bénévole, je ne me trompe pas. Tout le board est bénévole. Donc, on a quelques employés de bureau, mais sinon, tous les autres sont des bénévoles à la NFA. Et dans le concret, c'est la représentation des droits des propriétaires d'armes à feu auprès des instances, c'est bien ça? Exactement. Nous autres, on prétend que le droit des armes à feu, c'est un droit à la propriété. Donc, on doit pouvoir conserver notre propriété acquise légalement. Il faudrait que tout le monde soit membre de la NFA, finalement. Définitivement. Merci, Chuck. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à la Connect-Fil, je m'entretiens avec Pat Bourgault du rechargement. Quels sont les avantages de recharger ses balles versus prendre des balles commerciales? Pat, qu'est-ce que tu en penses? L'avantage, c'est la précision et la constance. Quand on va faire nos balles, nos propres balles, on peut choisir notre propre boulet, notre propre poudre, puis trouver la recette optimale pour notre arme. Donc, on va avoir des vitesses beaucoup plus constantes, puis on peut avoir des meilleurs boulets qui se font pas sur des balles commerciales. Donc, on est vraiment dans la précision. On est vraiment dans ce qui peut être le plus précis possible et que la variation soit la plus mince possible quand on vient faire du tir. C'est en plein ça. Au lieu d'avoir des variations de vitesse sur des balles commerciales à 60 ou 80 pieds seconde, bon, on va avoir des vitesses de 5 à 10 pieds seconde. Oui, parce que là, on parle, quand on a ces variations-là, bien, la différence, plus qu'on est à longue portée, bien, plus la variance. Oui. Puis on n'est plus capable de faire de grouping parce qu'une balle à l'autre n'est plus pareille. T'en plein ça. Puis les balles commerciales, versus les balles, là, donc la différence, c'est à peu près quoi? Une balle de reload, t'es capable d'atteindre quoi? 16, 17 pieds secondes de variance ou t'as pas de variance du tout? Tu peux avoir environ à 5 à 10 pieds secondes de variance comparativement à 60 à 80 avec de la balle. Wow, c'est énorme. Ouais. Merci pour ces précisions. Alors, deuxième jour de chasse, il pleut extrêmement fort dehors, donc pas vous cacher, c'est pas une chasse, c'est pas des conditions faciles pour chasser. L'orignal bouge un peu moins aussi, donc j'ai décidé de mettre mes waders et puis d'aller dans le bois. Donc la stratégie, c'est d'aller dans le bois. On va traverser des swamps, probablement beaucoup d'eau, donc il faut s'équiper en conséquence. On est présentement chanceux, on a un vieux camp de trappeurs qui nous met à l'abri de la pluie, parce que pour sécher notre linge, parce qu'un matin, c'était pas évident, donc on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Alors, c'est dans cette stratégie-là qu'on va aller profondément dans le bois, avec mon guide, Armand Lapierre, mon partenaire de chasse, Patrick D'Amico. Donc, on vit ça sereinement, calmement aujourd'hui, donc on a hâte de retourner dans le bois. C'est pour ça qu'on y va quand même, parce qu'il pleut.
Quand on parle de rechargement, on parle de précision. Et quand on parle de précision, on parle des détails. Aujourd'hui, je m'entretiens avec René Deveau, justement de ces détails qui font la différence. Un petit truc de métier, okay, qu'on ne connaît pas tout le temps. Des fois, on va avoir une cartouche pleine. Okay. On a rechargé. Notre boulet est trop creux. Avec nos tests qu'on a faits, on veut juste avoir... Donc, on s'est trompé. On s'est trompé. On va avoir ça un petit peu plus long. Ou bien notre charge de poudre, bien, on a vu que... c'est pas celle-là, notre charge de poudre, ça nous en prend moins ou plus, bien, plutôt que les tirer puis gaspiller cet argent-là, bien, on va y aller, on va défaire nos balles pour pouvoir les refaire. Okay. Un outil bien commun, le marteau à inertie. Okay. Normalement, le marteau à inertie, ça arrive avec ces petites choses-là ici, okay, là, pour mettre nos balles dedans. Parfait. Surtout, on a trouvé un truc bien plus facile que ça. On va utiliser le shell holder qui est dans notre presse. Okay. Donc, par exemple, on va prendre ça, mettre ça dans notre shell holder, puis, comme tu peux voir ici, là, okay, tout fit. On cogne pour faire sortir notre boulet au complet. Okay. On garde la poudre, on garde toute l'amorce, tout est bon. Par la suite, facile à enlever, plus facile que dans ces petites choses-là. Notre boulet est dedans, il est enlevé. Notre boulet est dedans, on récupère notre boulet, on récupère notre poudre, notre douille est toujours amorcée, elle est bonne, et on recommence le processus sur notre presse. On remet notre poudre à la quantité désirée et notre boulet à la longueur désirée. Un petit truc, juste avec un marteau à inertie. Merci. Merci. De retour au campement, sur l'heure du midi, nous apercevons un ornial qui est exactement à l'endroit où nous étions pour faire les sessions de corde. Alors moi et le guide Armand Lapierre décidons de prendre le bateau et de ramer le plus vite possible pour aller un peu plus loin et de débuter une stratégie d'équipe.
nord de l'Alberta, avec un super guide, Armand Labière. Écoute, on a vu ce bac-là à 890 mètres, puis on s'est rapproché, puis ce qui est rentré dans le bois. Puis il a collé, mais il s'est positionné en arrière de moi. On n'entendait rien, puis d'un coup, il a décidé d'entrer. Et puis, le tour est joué, 2020, nord de l'Alberta. Il y a trop d'arrière, ça. Il y a trop d'arrière. Alors, dernière journée d'une chasse absolument exceptionnelle où on a démontré trois choses. La capacité d'adaptation aux éléments de la nature, le fait qu'on avait un territoire non exploré qu'on ne connaissait pas du tout. On a eu beaucoup de vent, beaucoup de températures différentes, des degrés différents. On a eu de la pluie, donc c'était pas facile dans ce sens-là. Le bois aussi, c'est un environnement où le bois est très serré, pas facile d'accès. Donc, c'est une capacité d'adaptation, je pense qu'il fallait avoir ça en soi. La deuxième chose, c'est la grande complicité avec le guide. Parce que la chasse à l'orignal, ce que j'aime, c'est du travail d'équipe. Et ce guide-là en particulier a démontré ça, cette volonté, cette ouverture-là de travailler en équipe pour atteindre les résultats escomptés. Quand on regarde la première scène, on a aperçu l'orignal, on s'est rendu à bateau, contre le vent. Ensuite, le guide a continué à caler pour faire venir l'orignal. On s'est rendu sur le bord, je me suis placé en une direction, c'est placé en arrière de moi, collait la femelle, puis comme ça arrive souvent, mais plus de son, plus d'image. À ce moment-là, on a changé de stratégie, on s'est regardé, j'ai fait la femelle, j'ai fait le mâle, et puis l'orignal est arrivé. Alors, grande complicité, travail d'équipe, et puis le résultat, on a atteint les résultats escomptés. Quand l'orignal est arrivé, bien, il faut moduler un peu nos sons, donc faire les sons un petit peu plus bas pour justement montrer qu'il s'approche de la femelle. Et on attend encore une fois un résultat parfait. C'est des magnifiques orignales, c'est un magnifique territoire. L'Alberta est vraiment à découvrir. Et ce que je considère comme particulier, et vraiment, je me sens privilégié, c'est de vivre dans cette nature-là, dans cet environnement-là. Et on ramène la bonne viande à la maison et on va aller se reposer.